Bon, on a le temps. J'ai prévu pour cette séance à 3 minutes. Donc peut-être pas plus. On aura le temps qu'il faut. Mais le professeur, je suis Hadjet, il y a la prochaine. Je connais la langue. Je réfléchis directement de l'histoire de l'examen. Mais je laisse le tout de Hadjet mettre la tête. Oui, bonjour. Non, c'est 1.1, donc on la considère comme Monsieur, le facteur de risque, patient avec un adénofibrome du sein. Mais surtout pas. Adénofibrome du sein ne vient jamais en conscience. Monsieur, il y a un risque. Il faut le comprendre, il y a un risque. Allez-y. Parmi les seins, la position, laquelle on est celle que j'ai la mère, oui, première grossesse tardive, oui, multipalité, non, mais une grossesse tardive, oui, allaitement maternel, non. Allaitement maternel, non. Multipalité, controversée, mais non. Oui, allez-y, madame. Un ski dans le développement, c'est qui correspond à l'écoute de risque de la personne. Non, pas non. Bon, je connais les facteurs de risque pour ta cancer du sein. Quand même les facteurs hormonaux, qui me chute avant de mettre les pères sur génie relative ou absolue, particularité de la vie de la femme, la puberté du bébé, l'absence d'allaitement, la première grossesse tardive, facteurs hormonaux, la pensée de la ménopause, l'obésité, qui m'ont de mettre peut-être. Je n'ai pas les facteurs histologiques, regarde les facteurs histologiques, quand même deux balles. Ama hyperplasie proliférative avec activité cellulaire. Les gens bénis, non, ne vient jamais à cancer. Elle a pour les femmes hyperplasie proliférative avec activité. Ou alors, antécédent du cancer du sein, homo ou contralatéral. Les facteurs génétiques à fond et les facteurs de l'environnement, ce sont les femmes riches, les femmes de haut niveau socio-économique. Voilà, c'est le cancer du corps. Le plus fréquent, on voit le canalaire infiltrant. D'accord, je connais la structure. Donc le canalaire infiltrant. Le schéma, il y a un peu de choses, le canalaire ou l'ombulaire. Le canalaire, c'est le canon à maman, ou le lobulaire, le plus lobulaire. Ou le canalaire, le plus fréquent que le lobulaire. Ou l'infiltrant, le plus fréquent que le premier structure. C'est ça. Comment la classification est-elle plus difficile? C'est concluant. Pas de base. Pas de base. Je suis envahi, il ne faut pas dire que mon mari, c'est palpable, clinique. La classification TNF, c'est une classification clinique, indépendamment de l'état de la balle. Donc, sont des conclusions palpables. Chauffe, 400 TNF, elle a été fixée, N2, ou pas de conclusion, non, T2, N2, N0. Regardez la classification la classification de l'AGS, c'est le T4. T4, T4A, T4B, T4C. T4C est différent de T4B. Le sein inflammatoire ou T4B. T4B est un inflammatoire. Le queen là, on a un T4B. Et le type de atteint de la peau et du muscle, c'est un T4C. Et l'effet à peau de l'ange, c'est T4B. T4B est un inflammatoire. Est-ce que vous avez compris? Non, je comprends le détail. Thank you.
تجوز. Sur le plan clinique, comment différencier un cancer d'une lésion bénigne? La lésion bénigne est bien limitée et coûte immobile, mais comme une caractéristique très importante que la lésion bénigne, la taille tumorale clinique égale la taille échographique ou la mammographie. Les cancers non, sont contrôlés par une réaction inflammatoire, de façon que cliniquement d'atteindre 3 cm, sauf les coûts 32 cm. Il y a toujours un peu de l'œdème tout autour. Donc l'anneau est déclaré à la taille tumorale est une caractéristique du cancer. Regardez, la lésion. Donc, ce sont les lésions spéculées, hétérogènes, prochaines, et dans la taille, quand on a la taille commune. C'est-à-dire, c'est une caractéristique de la cancer. Oui, tout simplement. Oui, vas-y. Donc, madame, vous consultez pour une infection dans le sang. Vous avez demandé une mammographie. Parmi ici, la biologie ci-dessous, indiquez celui pour ceux qui vont penser qu'il s'agit peut-être de la cancer du sang. L'image est malignité, oui. Oui, bien sûr, oui. L'image est 1 cm, alors que la infection palpée de 3 cm, oui. Bien sûr, c'est caractéristique. Il n'y a pas de microclassification. Non. La peau, on regarde la tumeur, est un peu épaissie. On regarde le cancer. On ne voit pas de ganglion. C'est dans la main. La réponse exacte, A, B, c'est A, B. Sur cette question, la peau, c'est pas une signature de chirurgie. Mais là, je t'en prie. Je t'en prie. Une belle question. Parmi les suivants, une bonne question. Pas une fois, les poumons c'est constitué par la taille de moi, non, la taille de moi, non, constitue. Non, constitue pas. Au-delà de ce que je dis, non, la taille de moi, non, non, allez-y. Donc un test conservateur veut la taille. Et test conservateur, il n'y a que la taille qui intervient. Donc 1 cm, test conservateur lourd, tumeur tumérale, qui est une taille génère, que la taxivère homolatérale et la mitraille. La thérapie est la taille du conservateur. Donc, l'image radiologique du volume inférieur à celui trouvé à l'examen clinique, oui. Et puis, c'est son cutanée en remède de la lésion, oui. Et donc, le microcassification en foyer, oui. Et régularité de l'opacité, oui. Donc, là, on va dans la B, C, D. Regarde, comme c'est la tumeur ici, la peau, elle est épaisse, elle est en rebelle cancer. Ça simule la table cutanée. Mais il s'agit du maintenant, c'est transmis par l'année du sang. Et finalement, c'est maintenant souvent associé à un cancer méconnu sous-jacent, oui, mais toujours comédocarcinome, oui, et plus fréquent chez les multiples, non, apparaît avant 5 ans, non. Je suis un marque de Paget. Maladie Paget, c'est une lésion eczématéforme qui maintenant, qui cache toujours quelque chose en sous-jacent. C'est-à-dire, il y a une maladie Paget. Là, la question. Donc, c'est une atteinte de maman souvent associée à un cancer de sous-jacent. Qui est le plus souvent un cancer insuffisant, mais peut être un cancer de bassin. C'est-à-dire qu'un cancer insuffisant. C'est compliqué toujours pour une maladie de Paget. La n'a pas une classification en termes sans maladie de Paget. La maladie de Paget, c'est une entité à part, comme c'est le Wahhab. Elle a lésion du matifant de maman, tu as un biopsie, tu as un cancer de bassin. Quel type de Wahhab, je suis Mahmoud. Wahhab, je suis Mahmoud. Allez, regardez, non, on n'a pas. Le cancer du sein, sur le plan anapal. Comme les carcinomes, je veux dire, le cancer d'endomètre. Le carcinome, ça me donne bien. Comme les insuccules, les insuccules.
في الميزان سيكون ثم الكنادي والولاد وفي الانسيتي ثم الكنادي والولاد وضعت ثم الملادي تفاجئت وحدة كونتيتي وحدة لهي ديقة الكاسينور ثم اللي تمر في دول اللي هما دول كومبوزون لا تمر في هذه الكومبوزون اللي هي الكومبوزون كونجكتيفال في التمر في دول سي لا كومبوزون كونجكتيفال كي مالي هي اللي ديبيني بعد ما تقول Madame B a mis dans un journal qu'on pouvait dépister, quand on pouvait dépister un cancer de la race, 35 ans, 2 enfants, pas dans le temps. Tous les conseils. Je suis intéressant tous les mois parce que je fais une mammographie. Mammographie? De faire un diagnostic précoce. Qui est un geste à la vue dans le journal où on pouvait faire un diagnostic précoce. Le diagnostic précoce s'adresse aux lésions cliniques. D'accord, tu as trouvé l'arme d'autopalpation ou la palpation par médecin. Elle dit que la palpation par médecin, l'autopalpation, tu as un nodule. À ma manière, le dépistage, c'est pas le diagnostic précoce. Le dépistage, c'est la recherche de lésions infraclinique. Et l'image, tu as mal qu'une mammographie. Donc, elle est là, elle a dépisté la mammographie par l'extérieur. كان حتى كون بوفي ديغنوستيكي دو فاسون بريكوس كاي سون لي زيليمون وقت تحطوا ا بي سي استو بزاف داكور دونك لا ديغ لا ريسونس صحيحه هي في ماموغرافي كل دو زون استو بزاف كونفاكو دونك لو ديبيستاج سي لي ليزيون لي كنيك بون فرانشمون زاري اون بو با ديتيسي كيك شوز دا هاد ليكزامين كلينيك Donc, trois examens, la radiothorax, échographie hépatique, fiche abdominale, ça fait que le fait aussi. Oui. Encore une fois, pour les gens qui sont arrivés tard, le cours de théâtre comme Karl Zenat, c'est le tumeur du sein, le tumeur du cancer du sein. Je mets un rapport à cancer du sein. Donc, là, je vais poser des questions à la pathologie du lignée. Allez-y, madame. Il s'agit d'une tumeur qui est complètement à 25 ans. Oui. Non, on n'a pas conseillé. La fonction peut être suspecte de la psychologie de la Bien sûr, bien, tout le monde. Tout le monde, 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 tout le une femme qui vient consulter. Tout le monde, examen clinique, plus l'écomanie. Quelle échographie, c'est les jeunes. Quel échographiste, l'impression clinique ou la biologie qui est en faveur de la malignité, vous êtes obligé de faire une fonction microbiopsie. Quelle impression et clinique la malignité. D'accord. J'ai une femme de 21 ans, je t'emmène à une étude de biopsie. Je peux faire une cytologie. Faire une cytologie avec les polyculaires de lésions bénignes, vous fermez totalement le dossier de malade, vous n'avez aucune surveillance à faire. Mais la cytologie, elle est indispensable. Il s'agit d'une tumeur que quand avant 25 ans, hein? La mammographie est rare, ta fonction est responsable, oui. Hein? لا تحط تستعمل كل شهر تجيبها كل شهر تعمل مي اون بلاسي تاع ميثولوجي تاع قالوا ما دافعش حاجه ليك اي في انجينير جات في انجينير جات دونك لي ريبونس اكزاكت ا سي صح كل وقت على سي كونديكاسيون ابسولو كيف كيف؟ سنسات كاتبان نو بالعكس في بون ميديكاسيون نو دونك زوز هما لي كيسون دو ماستيكات هادو ما سون دو كونتر ميديكاسيون ابسولو على ماستيكتومي دو بريمير بونس وي سنين ايش Le cancer inflammateur du sein est une forme de modèle pronostique. Oui ou non? Très bon pensée. Nécessite une chimiothérapie première. Oui. Se voit se coucher la femme âgée. Non, se voit se coucher la femme jeune. La femme jeune, la femme jeune. Hein? Oui.
L'inflammation touche toujours la tête avec pas toujours. Non. Ouais. Peut être opérée d'emblée. Non. Oui. Concernant les facteurs de transformation du cancer du sein, on a dit une taille de l'être humain à 1 cm. Oui. Oui. L'absence d'envahissement ganglionnaire. Oui. Le rage pourquoi de ce moment mouvement. Non. L'absence de récepteurs hormonaux intra-tumoraux. Non. L'absence de signes inflammatoires. Oui. Donc, A, B, E. Donc, les éléments principaux d'un cancer du sein, un nombre à la fois clinique et paraclinique. Sur le plan clinique, l'acte hémorragique, l'atteinte de l'ongonnière, les métastases, les signes inflammatoires, l'âge. L'âge comme des articles qui ont 35 ans, comme d'autres qui ont 40 ans. L'âge marque une clé mauvaise. L'âge marque à lui seul avec une chimiothérapie. Les facteurs histologiques, le nombre de ganglions envahis, surtout si le nombre de ganglions est interprété. La taille tumorale atteint 20 mm d'eau, je ne trouve pas le cas, on parle d'une indication à la chimiothérapie. Le grade histologique SBF 2 3, la présence d'un bon de la fatigue crève, l'index de prolifération si le supérieur 20% crève, les tumeurs du pourvu de récepteurs. Qui est le récepteur, c'est l'axe. À qui est le tumeur à des récepteurs, je vais m'amener à l'appel à l'hormonothérapie. À des récepteurs, je vais faire acheter. L'absence de surexplosion à des états de neuf nouveaux pensiques, à la fin, nous ajoutons à l'appel à l'endettement et l'eau espérée. C'est un art de la journée. La chimiothérapie est indiquée si tumeur supérieur à 2 cm, oui. Atteinte ganglionnaire, oui. Tumeur localement évoluée, oui. Score SBR 2 ou 3, oui. Et femme âgée de moins de 40 ans, oui. C'est déjà de l'académie, mais on a les indications de la chimiothérapie. L'académie est entre 2 ou 2 ou 3. On se rend compte que je parle de 4 jours en même temps. L'académie est importante à jouer les indications de la chimiothérapie en consommateur de conseil. Oui, 4 minutes, madame. Donc 1,5 m, c'est 1. Le bon genre, c'est 1. Regardez le bon genre. 1,0, 1,6. Et c'est. Allez, c'est comme ça. Un traitement conservateur a été proposé à cette patiente en raison de l'attaque. Et vous l'avez fixé à l'attaque. Donc l'indication d'un conservateur est essentiellement la taille tumorale, indépendamment de la taille tumorale. Donc la taille tumorale. Le siège de la tumeur intervient si la tumeur est trop alléolaire. On est obligé de faire un traitement là-dedans. L'âge de la patiente, non, l'absence de pneumonie, non, capital d'enfant, non. Donc, il me propose de dire sur la taille tumorale. Le principe du traitement conservateur est la sécurité de base sur le rage accidentel, une tumeur obtenue large avec le rage accidentel. Et la tumeur. Les gens de Tunis ne font pas du concept, mais à nous, du concept du sang, on a une gynécologie. Donc, mais à nous, je pensais du sang. Donc, la dernière, vous avez une occasion de faire. Donc, on va donner un peu le traitement d'un cancer du sein. Le cancer du sein a nos deux types de traitement. Un des traitements locaux au genou. Il est vraiment assez souvent utilisé. Et il y a une chirurgie et une thérapie. Un des traitements général, qui appelle à trois choses. La chimiothérapie, l'hormonothérapie, la thérapie cyclée ou la. Donc, les hommes comme ça, on a assez souvent tout à l'heure. Même chose pour les indications. Il y a une thérapie. Donc, on a un cancer du sein. Si la forme est une cassatique d'anglais, à ce moment-là, on a un traitement général qui est indiqué. Après, on a un tableau de neuf. On a un traitement général. On a un traitement général. Quel est le sacrifice d'emblée? Donc, c'est un traitement général. C'est un traitement local. La tumeur est arrivée au poumon une fois. Donc, forme de sacrifice d'emblée, traitement général. Pas d'indication, traitement local général. Forme évoluée, non opérable. Le moment des quatre. Donc, chimiothérapie d'emblée, mais on peut revenir pour faire la chirurgie par la suite. C'est traitement local général. J'ai une forme opérable, les formes T1, T2, T3, M0, indépendamment de la taille de l'ongulaire. Et donc, nous avons ce sujet. Quelle taille à quel mètre 3 cm? Lorsque nous avons une chirurgie conservatrice ou pas dans le traitement général, si la taille à quel mètre 3 cm, on fait le traitement radical de la mastectomie par le traitement général. Mais, il faut que l'acte à 4 cm, il y a des femmes qui désirent garder le sein. Dans ce cas-là, il y a une option thérapeutique, on fait une chimiothérapie. Réduire la taille tumorale, taille à 3 cm et on revient au cancer. On va avoir une logique. Pour le cancer du sein, on a trois indications, trois gros tableaux. Le tableau de l'œil, il est femme opérable d'emblée. Il est le choc de l'eau. Il lui faut un T1 à 2 cm, T2 à 2 cm, 5 cm, l'autre 3 à 5 cm, sans lésion inflammatoire, sans T2. Sans
100 métastases. هذوما on peut les opérer dans l'œil. هذوما si la taille inférieure à 3 cm, traitement conservateur. Si le traitement est supérieur à 3 cm, traitement radical. Puis هذوما les actes de 3 cm, il faut le traitement radical. Si la femme désire garder sa l'estime de la femme, la possibilité de faire une chimiothérapie dont le but est de réduire la taille d'acte de 3 à 3, et dans ce cas-là, elle devient éligible pour faire un traitement conservateur. Le خير هذوما للمتاستاتيك كومبلي تعبيهم ديريكتومون تريتمون جينيرال واللي فور نو اوبيرابل تعمل كيموثيرابي كان سي اوبيرابل في كونفيا تريتمون شيروجيكال هذا جارد لو باكي اللي قدام دونك فو توني اوتور من الخمسه هذوما شيروجيا ثيرابي تريتمون كوريجونال اي كيموثيرابي ولا كل كيموثيرابي او مونوثيرابي ثيرابي سي بي هما لي تريتمون تريتمون جينيرال اسكو سي كلير الانديكاسيون واحد ما فيها حتى شيء وكان تجيك مديكاسيون تجيك مديكاسيون تاع كونسيراتور تومور 2 سنتيمتر لارج غونغليون نجم يساعدوك وفير افيك ان اتان غونغليونير كالي لا كالي لا كونتاكت